Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 14 du Advent of Code 2021. Donc là, c'est un jour assez compliqué. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc du coup, dans ce jour-là, on a une chaîne de caractères, NNCB par exemple, au début. Donc nous, la nôtre est beaucoup plus longue. Et on a une liste de transformations possibles. Donc là, par exemple, on voit que NN, ça va nous donner... Il est où? Il est là, ça va donner un C. Donc ça veut dire que quand on va transformer le NN, on va faire NC, CN. Et après, on va s'attaquer au NC. Donc NC, ça donne un B, donc ça va nous donner NB, BC. On rajoute la lettre au milieu. Et après, CB, ça va nous donner, du coup, il est où le CB? CBH, donc ça va donner CH, HB. Donc si on regarde ici, donc NNCB va être transformé en NC, CN. Après, NC va être transformé en NB, BC. Et CB va être transformé en CH, HB. Et après, on recommence. Donc après, NC, ça va nous donner NB, BC, toujours, etc., etc., etc. Donc vous voyez que ça grandit très très vite. Après la boucle 1, on est à déjà 7 caractères, 2, 3, 4, ça augmente. Après 5, on est à 97, à 10, on est à 3000 caractères. Et nous, on nous demande, après avoir fait 10 étapes comme ça, quelle est la lettre qui apparaît le plus de fois et quelle est la lettre qui apparaît le moins de fois, et il faut faire la soustraction entre les deux. Donc voilà, donc je crois que ça c'est tout. Et du coup, on a un puzzle input qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire que nous, on a 20 caractères et on a une centaine de permutations possibles. Donc, c'est quelque chose d'exponentiel. S'il nous demande 10 là maintenant, ça veut dire que potentiellement dans la partie 2, il va nous demander beaucoup plus. Et déjà, 10, ça va nous faire à la fin, pour nos 20 caractères, ça va nous faire quelque chose de 20 000. J'ai fait quelques calculs, ça va nous faire 20 000 à peu près, une chaîne de 20 000 de longueur. Donc, c'est pas énorme, mais il y a beaucoup de calculs pour arriver à cette chaîne de 20 000. Donc, on va voir. J'ai eu 2-3 idées, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais à un moment il faut se lancer et j'ai pas trop le choix. Vu que je code que en vidéo, j'ai eu des idées, on va dire, dans ma tête. J'espère qu'elles fonctionnent, mais pas sûr du tout. Donc on va commencer par 14.rs, faire notre fn main, on va zoomer un petit peu. Et puis fn part 1. On va avoir sfn test input, static str, et donc notre test input c'est ça. Donc voilà pour notre test input. Ensuite, du coup, on va pouvoir le parser. Donc test input.split once par backslash n pour récupérer la première ligne et la deuxième. On va faire un point trim quand même. Donc là, on va voir let égale. Alors, on va reprendre les termes qu'ils utilisent. Donc, on a un polymer template et une liste pair insertions rules. Donc là, on va avoir un template et rules. Et là, il faut que je fasse un unwrap. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a notre template, donc notre template, c'est facile, il est juste notre template. Il n'y a pas besoin de faire grand chose d'autre. Et les rules, on va faire let. On va faire for rule in rules.lines. Map. Faire point line plutôt. Line.trim. Ensuite, on va faire un split once par ça. Donc, on va faire let from to égal à line.split once par ce truc là unwrap. Ok, et ensuite on va avoir du coup un hmap qui va contenir, on va dire, les conversions entre ça et ça. Donc on va voir let comment on appelle ça, rules. Alors, on va appeler ça rules as strings. Et puis, on va avoir un rules qui va être notre hmap new. Notre rules, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un hmap qui va associer une paire de chars vers, j'ai envie de dire, un autre hmap de U32. Et ça, ça sera... Est-ce que c'est un vec qu'on va prendre? Est-ce que je vais mettre un vec de paire de chars ici? Ou est-ce que je mets juste une paire de paires de chars?
Quelque chose comme ça. Ça me paraît un peu compliqué, mais bon. On va faire un use. Et je vous expliquerai pourquoi le U32 ici à sa place. Pourquoi on a un U32 qui se balade. Est-ce que je peux faire un alias? Rust type alias. Type point. Ok, donc là c'est juste type pair. Ok, donc là ça va être. Hop, on va pouvoir remplacer tout ça par des pairs. ok, from tout. Non, ici c'est pas un vec de. Ici ça va être un vec de pair. Du coup, on a notre from. Donc notre from, on va pouvoir le parser en pair. Donc là, on va faire let first est égal à from Charles. From Charles est égal à from.Charles. Et on va mettre du coup notre let from a string, on va dire. From a string. Et on va voir du coup notre let from est égal à fromchars.next.unwrap et fromchars.next.unwrap. Voilà, tout et tout, ça va être un char. Donc, tout as string. Et du coup, let to est égal à let to as string chars.next.unwrap. On va prendre le premier char de la chaîne. Ok. Et du coup, donc ça, c'est une paire. Et ça, c'est un char. Et du coup, on va pouvoir insérer dans notre rules. On va faire rules.insert. Rules.entry, peut-être, plutôt. Il faut créer un nouveau entry pour mon from. Alors, HMAP Rust, le entry, je sais jamais trop comment on l'utilise. Entry or insert. Tac tac tac, et ça or insert, ça va être nous faire HMAP new. Donc soit ça va être un vide, un HMAP new, or insert with. Ok, là ça va être un let mute. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a notre entry, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entry.insert 1 et vec 2. Donc, il faut qu'on décompose un peu cette partie-là en deux parties. Donc là, il va falloir qu'on fasse notre let from a est égal à ça. Et ça va être from a. Let from B est égal à ça. Ça se trouve, je me complexifie la vie des fois quand j'ai pas testé du coup la version. Donc là, c'est from A to, virgule, to from B. Ok. Donc, en gros, on va dire que on associe pour chacune des entrées. Pour chacune des paires, donc là on a from A from B, donc par exemple CH, on va dire que c'est associé à un CH, on va dire que dans que c'est associé à un HMAP, et ce HMAP, il associe 1 à CBBH. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a dit. Pourquoi le 1? C'est que plus tard, je veux insérer par exemple 2, 3, 4, qui vont me permettre d'aller plus loin et plus rapidement. C'est-à-dire que je vais pouvoir sauter des étapes. En fait, là, je peux le faire en une seule étape. Je peux transformer CH en B. Par contre, en 3 ou 4 sauts, je peux le transformer en, je ne sais pas ce que ça va être. Ça va être une liste de, je sais pas quoi. Par exemple, là, on peut dire que NN, en un saut, ça me donne NCCN. Par contre, en deux sauts, ça me donne NBCCN.
Donc NN en un saut, ça me donne NCCN, mais en deux sauts, ça me donne NBBCCCCN. Et ça, c'est Patrick, parce que ça veut dire que si je recroise un NN à un moment, je suis pas obligé de le faire un par un, je peux directement sauter de deux en deux. Et du coup, ça me fait accélérer et arriver plus rapidement au step 10. Donc c'est un peu mon idée, c'est en fait ma solution que j'ai pensée pour optimiser le traitement. C'est-à-dire que je sauvegarde toutes les étapes, et du coup, quand je vois que je peux passer de NN à NBBCCCCN en deux sauts, et bien je peux le faire d'un seul coup sans repasser par le NCCN. Et potentiellement, j'imagine que ça va, vu qu'il y a plein de valeurs, plein de trucs, et bien on va avoir très rapidement des trucs qui vont très vite se simplifier et arriver très vite à l'étape 10. Donc voilà pour mon idée, entre guillemets. Du coup, une fois qu'on a ça, on va partir de notre template. Et c'est là qu'on va avoir du récursif et ça va peut se complexifier un petit peu la vie. Alors, l'idée c'est qu'on va transformer notre template déjà en des paires. Là, notre template de 4, on va le transformer en 3 paires de 2. Donc pour ça, on va faire template a string.chars.iter.chunk. On avait un truc chunk, je crois, sur qu'on a cherché. Tac, tac, tac. Chunk is empty, non, tu dans 10. Dans un des premiers exemples, dans un des premiers trucs, on a fait un truc comme ça, trim collect parse, pour les prendre deux par deux. Ah, window. Voilà, c'est ce que je voulais. Je crois que c'est ça. Window iter rust. Donc ça me donnait RU, puis US, puis ST. Je crois. Je regarde. RU, puis US, puis ST. Ouais, c'est ce que je veux du coup. Donc là, il n'aime pas trop ça, a priori. Donc, let chars est égal à... on va dire que c'est un vec de char. On va le transformer en vecteur. Je ne sais pas trop pourquoi. Les chars en Rust, des fois, c'est un peu bizarre. Et on va faire chars.iter.window, du coup, 2.map. Donc, les windows, ça me donne des trucs bizarres. Ça ne donne pas des tuples, du coup, les windows. Ça donne une référence à la slice. C'est marrant que la Windows 2, il veut pas. Pourquoi Windows 2, il veut pas? Collect, vec de U32, digits Windows. Il n'y a pas le iter, du coup. Ok, d'accord. Donc là, ça me donne quelque chose qui va me... Alors, comment on faisait dans le 0,1? Ça me donne des digits. Donc, et du coup, on va faire digits 0 et digits 1. Donc, on va le transformer en tuple. Ok. Donc là, à la fin de ça, on a quelque chose qui itère vers des... itère vers des comment dire vers des paires. On peut le transformer en vec de paires pour voilà, plus pour le début, pour le fun. Après, on évitera de faire des collectes après parce que ça prend du temps de faire des collectes. Pour l'instant, on n'a pas trop besoin. Et ensuite, chacune de ces paires là, il va falloir qu'on la transforme. On fasse quelque chose du genre for pair in template. Donc pour chacune des paires, on va demander la liste let result égal get result. On va lui passer les rules
On va lui passer les rules, la paire, et combien d'étapes on veut. On en veut 10. Donc là, on va avoir une fonction getResult qui va prendre notre hmap. On va faire type rules égale à ça. Donc ça, hop. Donc ça va nous prendre des rules qui sont des rules, une paire qui est une paire, des steps qui est un U32, et ça va nous retourner un tuple de rules, parce que ça va pouvoir modifier les rules, ça va nous donner de nouvelles rules, et un vec de paire. Ok, et donc là on va retourner rules et vec de rien du tout pour l'instant, juste pour qu'il soit content. Ok, donc là on a used of move value, donc peut-être qu'on peut lui passer en référence. Ah oui, non, c'est parce qu'en fait on le. Non, c'est bon. C'est qu'ici après on va faire rules est égal à result.0. Et normalement c'est bon, parce que là on va récupérer du coup le résultat. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a toutes nos paires, le problème, c'est qu'il va falloir après reconstruire le. Reconstruire la chaîne de caractères, savoir. Enfin, reconstruire un vec de char à la place de vec de paire. Mais bon, si on arrive déjà à faire un DBG de result.1 ici, ça sera déjà bien. Et que ça nous donne le bon résultat, on est bon. Ensuite ici c'est 10, donc on va faire let number of steps est égal à 10, et par défaut on va faire 4 plutôt, juste pour le début, pour voir déjà si on a le bon résultat. Ici on va faire number of steps. Ok, alors ensuite, donc pour faire le get result, on va checker, on va récupérer déjà pour cette paire là, qu'est-ce qu'on peut récupérer. Donc l'idée c'est de dire let instructions est égal à rules.get de paire .unwrap, parce qu'on sait que ça existe forcément pour la paire. Ok. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for for i in 0.steps point rev. Alors on va voir une on va prendre le plus grand du coup de i qui est possible. Donc on va faire if let sum result égal à instructions.get de i. Donc là on va tester 10. Est-ce qu'on peut le faire en 10 étapes? Si on a déjà le 10, c'est parfait, parce qu'on peut trouver directement. Si on l'a pas en 10, on va tester en 9, en 8, en 7, en 6, en 5, en 4, en 3, 2, 1. Et 1, on aura forcément quelque chose. Parce qu'on a forcément tous les 1 qui sont déjà entrés. Maintenant, une fois qu'on a ça, on a notre result qui est notre liste de pairs. Hop, c'est une référence vers i. Donc là, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque du... qui nous manque steps-i. Donc on a réussi à le faire en une fois. On a réussi à faire une étape, par exemple. Donc là, imaginons que i soit égal à 1, ça veut dire qu'on a réussi à faire une étape, un step. Donc généralement, ça veut dire qu'on est tombé, on est parti de 1 et on est tombé en un tuple de. Enfin. En un vec de paire. Enfin, un vec de deux paires, du coup. Dans le résultat, du coup, j'ai mon vec de deux paires. Maintenant, l'idée, c'est de parcourir ce vec de deux paires. For other pair in result.
Et pour chacune de celles-là, on va faire let result other result est égal à get result de rules de other pair et de steps. Donc là on veut steps-i. Et après on fait rules est égal à other result.0. Expected tuple found truchemuche. Ok, donc si je leur des références. Rules il va être en mutable ici. Je sais pas si. Alors là c'est compliqué parce que je peux pas utiliser rules ici. Donc pour cette paire, j'ai trouvé un résultat. Donc est-ce que je peux faire un break de result ici? Break de result i. Let result i égal. Je commande tout ça. Break with value from follow.make a lock. Je peux pas break ici directement. Parce que moi j'aimerais bien, une fois que j'ai récupéré le résultat et le i, je m'en fous de rules, j'en ai plus besoin. Donc je peux sortir. C'est pour ça que là j'ai l'impression qu'il est perturbé parce qu'il a l'impression que j'ai toujours, je suis toujours en train d'utiliser instruction get, etc. Mais en fait j'ai déjà sorti de tout ça. Donc j'aimerais bien juste lui dire. Pourquoi je peux break d'un. Pourquoi je peux break d'un for? You can't break with value in a for loop. Ok, c'est dommage. C'est dommage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme comment on peut faire ce truc-là? Donc, on peut faire let i est égal à steps loop i moins égal à 1. Let result i égale à ça. J'ai même pas besoin de. Du coup, je peux juste faire let result de loop. Parce que i, du coup, sera égal au bon résultat. Et je peux faire if let sum break de result. C'est un peu moche. Je sais pas pourquoi on pourrait pas faire ça pour un. Donc, result, nous, ce qu'on voudrait, ce serait que ce soit un. Result, c'est un vec de pair. Alors, je peux pas déréférencer le vec de pair. Donc, c'est pour ça qu'il gardait, on va dire, le mémoire, je pense, du truc. Si je fais un point clone là. Ok. Donc là, est-ce que je peux pas. Pourquoi rules il est instructions? J'utilise plus instructions. Ah si, je l'utilise derrière. Attends. Tac. Si je fais ça. Voilà. Ici, ça fonctionne. Non. Presque. Ok. Là, je veux que ça juste que ce soit un mutable. Ok. Donc là, on est bon.
Donc effectivement, c'est le problème du fait que j'utilisais Instruction. Donc là, maintenant, j'ai drop tout mon truc ici avec mon clone. Alors le clone n'est pas terrible. Peut-être qu'on pourra l'enlever s'il y a vraiment. Mais bon, c'est pas très grave pour l'instant. Voilà. Donc on a récupéré le plus proche qu'on pouvait avoir. On est allé au plus loin possible. Si on a pu le faire en 3 fois, en 4 fois. Si on a fait 4 étapes d'un coup, bah, on le fait 4 étapes d'un coup. Mais par contre, il nous reste peut-être des étapes à faire. Donc s'il nous reste des étapes. Donc en fait, l'idée là, c'est si il nous reste pas d'étapes. If i est égal à steps, dans ce cas-là, on return rules vec result. Voilà. Donc si i égale à steps, c'est-à-dire qu'on a pu faire, par exemple, on nous demandait en une étape, et bah en une étape, c'est facile, j'ai fait. D'ailleurs, je vais peut-être faire des tests. Je vais faire des tests. Test, comment on écrit test comme ça? Fn. Test part 1. Donc on va pouvoir commencer à écrire des tests en se disant que assert equals de vec. Alors on a on va faire un truc genre build rules. Input qui est un static str et qui nous renvoie des rules. Est-ce que ça fonctionne ça? Ouais. Et donc là c'est pour nous renvoyer le template, c'est pour envoyer build. On va le faire plutôt comme ça et on va retourner templates et rules. Voilà, et ça nous renvoie du coup un vec de pair et rules. Donc là ça va s'appeler build input plutôt. Et donc l'idée c'est d'avoir ici on va faire build input, on va lui passer tac tac tac, on va lui passer let result est égal à get result pour rules build input test input point 1, ça me donne les rules. En deuxième on va lui passer quoi? C'est la paire qu'on veut, donc là par exemple ça va être quelque chose, et en troisième ça va être les steps 1. Voilà, on va juste tester déjà ça, voir si ça fonctionne. On va essayer de faire des tests plus souvent. Donc là, par exemple, si je lui passe C, tac, C, H, et bien ici, je veux en résultat avoir un C, B, B, H. Je crois que c'est tout. Result, point 1. Je crois que c'est le point 1. Ok. Je crois que c'est bon, ça, run test, voir. On est le jour 14, donc cargo test bin 14. Not found in this scope template. Donc là, ça va être template rules build input de test input. Fouch. Ok, donc là ça a l'air de bon. Ici je vais faire juste input à la place de test input, voilà. Et donc là ça passe. Donc là on a le bon résultat. Ça c'est plutôt cool. Ok, ensuite il va falloir tester avec 2. Donc si je teste avec 2, ce que je veux c'est CBBH et ensuite du coup CB va être converti en CHHB. Alors peut-être que je peux le prendre directement ici. Bon, je vais le faire c'est comme ici. Donc là ça va être CB va être transformé en CH. Non, je vais le reprendre directement ici. Peut-être que je vais avoir une fonction compute
qui va être un petit peu plus plus simple, je sais pas. Donc si je commence avec nn ici. Donc nn ça me donne nccn. Donc nc nc et cn. OK. Maintenant si je demande nn 2. Dans ce cas, je devrais avoir NB, BC, CC, CN. Donc j'ai ça. On va le mettre ici. Donc ça va nous donner NB, B, C, 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 et C. C N. Voilà, comme ça. Je crois que c'est bon. Donc du coup on avait 1, 2. On est parti de NN. Et on a 4 trucs à la fin. Donc, on a toujours notre N au début et notre N à la fin. NB, BC, CC, CN. NB, BC, CC, CN. Ok. Donc ça devrait être pas bon du coup. Donc fail parce qu'on a retourné rien du tout ici. Ok, donc là on a commencé, on l'a fait en une seule étape. Donc du coup on va avoir un nouveau vecteur ici, let new pairs est égal à vec de rien du tout. On va parcourir toutes les other pairs et on va faire... On va récupérer un autre résultat et on va faire new pairs.push. On va faire for other pair in result.1 new pairs.other pair. Et là on revoit new pairs. Result.1, non c'est otherResult.1. Voilà, new pairs il est pas mutable. Et donc là, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça passe. Ok. Donc maintenant on peut faire en 3. Et c'est là que ça va être un peu compliqué. Je pense qu'il faudrait que je fasse une fonction qui me transforme des pairs, un vec de pairs, en une chaîne de caractères. Donc je vais faire cette fonction là. Donc je vais faire. Pairs to string. Donc ça va prendre un vec, ça va prendre pairs qui est un vec de pairs et qui va me le transformer en str. Ok. Donc là l'idée c'est de créer mon string. C'est de créer une chaîne de caractères à partir de ce vec de pairs. Donc l'idée c'est qu'on prend tous les premiers. En fait, c'est l'inverse d'un window qu'on veut faire. Rust inverse window. Est-ce qu'il y a une fonction qui... on va essayer de le faire à la main. Du coup, on va prendre toutes les premières lettres. Ça va faire N, B. Parce que là, par exemple, ici, on était quoi? On était à N, B, C, C, N, par exemple. Donc, on va avoir N, B, C, C. Et à la fin, on va finir par le dernier. Ou alors, on peut faire N, B, et après faire C, C, N. Comme on veut. C'est quoi Rust String Builder? Est-ce qu'il y a un truc String Builder en Rust? String Builder, Rust Doc. For push str, you can try string with capacity. Ok. Hop. J'ai oublié de fermer Discord. String with capacity. String from hello. Le with capacity, là, du coup, 25. S, let mute S string. S, push str. Ok, donc on va pouvoir faire un truc comme ça.
Donc là, ça va être 1, 2, 3, 4. On en a 4. Du coup, ça veut dire qu'on veut 5 capacités. Donc on va faire pairs.length plus 1. Et je pense qu'on va retourner une string ici, quand même, carrément. Donc là, on retourne s. Et après, on va faire for pair in pairs. Alors déjà, la première, on va faire... on va faire let first est égal à pairs.next.unwrap. Il y en a forcément une. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Pairs.next. Ou alors je fais juste un for pair in pairs avec un first. Let first est égal à false, est égal à true. If first. Dans ce cas-là, on fait first est égal à false. Et on va également rajouter du coup pair, ça va nous faire, ça va être un char AB ici. Donc si first, on va faire s.pushstr. Et dans tous les cas, on va faire s.pushstrb. Donc si on est le premier, on push le A, et sinon après on fait que les derniers, donc on fait NB, C, C, N. Push char. Rust push char string. Il y a juste push, il y a une fonction push. First égale false, il faut qu'on mette un mute. Ok, donc parse to string. Ok, donc maintenant on a notre parse to string, ça va nous faciliter la vie, je pense. Mais pas dans notre mutable, oui. Donc parse to string, ici on va pouvoir faire, on va retester ça, pour tester notre parse to string, voir si notre parse to string qui plante ou pas. Donc là on va dire parse to string de result 1, et ça va nous donner du coup ce truc là. Hop. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir tester plus facilement. Donc en 3. En 3, je pense que ça va être NBBC. Alors, on est passé de 3 à 5. Donc, 3 à, on est passé de 3 à 5. Donc, on va passer de 5 à 9, je pense. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que c'est ce 9-là. Oui, ça a l'air d'être bon. Ok. Et ensuite, on va passer de 9 à 9 plus 8. Parce qu'on rajoute à chaque fois 8, en fait. Enfin, on rajoute à chaque fois n moins 1. Donc 9 plus 8, ça nous fait 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc ça, c'est après 4. Ok, donc là tout ça ça passe, donc on n'est pas trop mal, je pense. Là on n'a pas besoin de faire de return, ok. Du coup, ici qu'est-ce qu'on va pouvoir bien pouvoir faire On va essayer de parcourir, du coup avoir notre new pairs. Égal avec et ici on va faire for pair other pair in result.1 new pairs.push other pair ok new pairs donc ça doit être mutable ok et enfin du coup donc cette fonction là part one on va faire fn compute string qui va prendre un input je pense input qui va être un static str et qui va nous renvoyer une string et qui va prendre également un input mais également un steps qui est un U32 ok et donc du coup on va pouvoir faire hop, ça ici, et à la fin pouvoir retourner pairs to string de new pairs. Ça, on va pouvoir le mettre là.
Et ici, du coup, on va pouvoir faire let result est égal à compute string de test input 10. Voilà. Ça, on s'en fiche un peu, de toute façon, pour l'instant, de ce truc-là. Et après, dans les tests, du coup, on va pouvoir améliorer les choses. On va pouvoir tester d'autres choses. Donc, on va pouvoir tester qu'on a bien ça après le mode 4. Donc, on va voir let result est égal à compute string de test input après 4. Et on va faire un assert équivalent de ça. Résulte. Ok, ça passe. Donc là, on n'a pas utilisé input, il faut qu'on l'utilise ici. Ok, et enfin, du coup, notre dernier cas, ça va être de compter le nombre de... On va compter les nombres de chars, on va faire compter le résultat final. Donc le résultat final, ça va être fn compute result. Voilà. Je sais pas trop ce qu'on appelle. On va lui donner toujours ça. Et ça va nous renvoyer un U32. Donc on va faire un let chars counts est égal à hmap new. On va faire for alors on va faire let result est égal à compute result de input steps. Ensuite on va faire for char in result.chars. Let entry est égal à chars count. Chars count point entry de char. Donc ça va être un hmap de char vers U32. Et là ça va être or insert 0. Et là on va faire entry plus égal 1. Et à la fin on va faire return. Déjà hop, on va mettre ça pour juste pour qu'il nous arrête de nous embêter, je crois. Ok, result.chars. Chars not found for type U32. Compute result, c'est pas compute result, là c'est compute get result, on va l'appeler. C'est pas du tout get result non plus, je les ai appelés n'importe comment les fonctions, donc c'est un peu compliqué. Compute string, voilà. Ok, donc là il faut mettre une mutable. Très bien, et ensuite on va devoir parcourir du coup le minimum, le caractère où il y a le plus et le caractère où il y a le moins. Donc on va faire let min est égal à char est égal à chars count.values.min et max, c'est la même chose mais avec max, et on retourne max moins min. Ça va être des unwrap. Ok. Et du coup, on peut tester que hop, compute result, et là, result va bien être égal à 1588. Et on a 18. Donc on n'est pas du tout bon. Ah non, c'est parce que j'ai mis 4. J'ai pas mis 10. Et là, on est bon. Ok. Et bah du coup maintenant dans part 1, on n'a plus qu'à prendre notre input. J'ai aucune optimisation pour l'instant, on n'est pas parlé d'optimisation, mais au moins on a des tests qui tournent. Raw input, si on a besoin de faire des optimisations, si on voit que c'est trop lent, on pourra travailler avec des tests fonctionnels et voilà, on sait que toutes les étapes sont validées à chaque fois. Ok, et donc là du coup on fait raw input, println. Part 1 de point result. Et c'est là qu'on va rigoler. Donc là, je fais cargo run bin 14. Oh, c'est pas mal. Compute string, c'est compute result. Et pas compute string que je veux. C'était instantané. 2360. Ok, parfait. 2000.
360. Est-ce que c'est le bon résultat? C'est la question. Et oui, c'est le bon résultat. Donc, on a eu notre 27e étoile. Donc, je ne sais pas trop, je me suis pris un peu la tête pour mon côté performance. Je pense que quand je vais cliquer sur ce continue partout, ils vont me dire de le faire pour 100 steps et ça sera moins la... ça sera une autre blague. Mais bon, pour l'instant, ça passe. Donc voilà, on a réussi notre partie 1 du jour 14. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de The Advent of Code 2021.